elle est probablement très stressée parce qu'elle, elle y croit vraiment. Tout a commencé par un appel que sa mère de 86 ans a reçu au début de l'été. Au bout du fil, un faux policier raconte à la dame que son petit-fils a été arrêté et qu'elle doit verser en urgence un peu plus de 6 000 pour payer sa caution. Elle va à la caisse populaire et là, elle dit qu'elle veut 6 200. Là, la caissière lui demande pourquoi. Heureusement, l'employée chez Desjardins a été très vigilante, a posé des questions à la dame et l'a avisé qu'il s'agissait d'une arnaque. L'octogénaire a ensuite raconté l'histoire à ses proches qui ont aussitôt contacté la police. 7 minutes après mon appel, il y avait une sergente qui arrivait à pied pour pas qu'il y ait de véhicule devant la maison. Elle explique à maman le piège et elle lui demande si elle est d'accord pour être un appât. Le gars lui dit « Bon, ben ma collègue va venir chercher l'enveloppe. » 1 minute plus tard, elle frappe à la porte. Et là, elle rentre. Maman lui donne l'enveloppe. Et nous, on est dans le corridor et on la voit. Et la sergente sort et elle lui dit « Je vous arrête. » Une femme de 19 ans et un homme de 23 ans ont été arrêtés puis libérés sous promesse de comparaître. Donc, c'est assez rare que ça arrive, ce genre de finalité-là, dans ces types de fraudes-là. Parce que ce type de fraude très répandu auprès des personnes âgées fonctionne malheureusement trop souvent. Ce qu'on nous rapporte, d'après moi, c'est la pointe du iceberg, là. Fait que ça représente peut-être 10 % des vraies situations, parce que les gens, habituellement, s'ils se font arnaquer, hein, c'est pas la première chose qu'ils vont faire, aller le déclarer. C'est ce qu'on essaie de dire à ces victimes-là, à ces personnes-là, soyez à l'affût. C'est pas normal si quelqu'un vous met autant de pression pour avoir de l'argent. D'ailleurs, selon le Centre antifraude du Canada, les pertes liées aux arnaques du genre s'élèvent à un peu plus de 9 millions de dollars uniquement pour les 6 premiers mois de l'année, soit presque l'équivalent du total de l'année 2022. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.